Bonjour, Batman de retour pour la session 2014 du bac, avec aujourd'hui le bac S Pondichéry du 8 avril 2014. Et nous en sommes à l'exercice 3 pour les non-spécialistes. Donc, dans l'exercice 3, nous sommes dans le plan complexe muni du repère orthonormé classique OUV. Et pour toute entier naturel n, on note A indice n le point d'affixe Z indice n défini par Z0 égale 1 et Zn plus 1. Z indice n plus 1 égale 3 quarts plus racine de 3 sur 4 i, le tout fois z indice n. Et on définit la suite r indice n par r indice n égale module de z indice n pour tout entier naturel n. Question 1. Donner la forme exponentielle du nombre complexe 3 quarts plus racine de 3 sur 4 i. Eh bien, nous allons le faire ensemble, c'est parti. Alors, la forme exponentielle. Tout d'abord, pour calculer la forme exponentielle, nous avons besoin du module et de l'argument. Donc on va d'abord calculer le module. Donc je rappelle que le module, hein, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, et le tout en racine carrée. Donc ici, concrètement, ça fait 3 au carré plus racine 3 au carré, c'est-à-dire 3 sur 4 au carré, et tout ça en racine carrée. Ce qui nous fait 9 plus 3, 12. 12 sur 16, on simplifie par 4, et donc ça nous fait racine de 3 sur racine de 4, et racine de 4, ça fait 2, donc racine de 3 sur 2. Donc le module, c'est racine de 3 sur 2. Ok ? Eh bien, on va factoriser par le module. Et là, on obtient quoi ? On obtient exactement racine de 3 sur 2, facteur de racine de 3 sur 2, parce que racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, et 2 fois 2, ça fait 4, donc on a bien obtenu 3 quarts pour la partie réelle. Et racine de 3 fois 1, ça fait bien racine de 3, et 2 fois 2, ça fait bien 4, donc ça nous fait bien racine de 3 sur 4 pour la partie imaginaire. Et là, normalement, on doit immédiatement reconnaître le cosinus et le sinus de l'angle pi sur 6. Ce qui nous dit donc que la forme exponentielle du nombre 3 quarts plus racine de 3 sur 4 i est égale à racine de 3 sur 2 exponentielle de i pi sur 6. Ce qui achève la question 1 de l'exercice 3 du bac S Pondichéry 2014.